En dehors de la zone habitée des Palmariggi, près de la colline dénommée Montiuzzo, il y a une petite chapelle rupestre, à peine plus grande en traditionnel calvaire. Ce qui caractérise l'extérieur de l'église est la grande simplicité architectonique et stylistique, libre de tout élément décoratif. La façade a la forme d'une hutte avec un clocher-mur très ancien et suggestif, comme décoration religieuse. Probablement, elle a été édifiée au XVIe siècle à la suite d'un effondrement qui l'a réduite en ruine. L'église actuelle a été reconstruite au milieu du XIXe siècle. L'intérieur est nu, il n'y a qu'un petit autel et une fresque de la Vierge de Constantinople. Chaque premier mardi de mars, le jour de la fête de la Vierge de Constantinople, pour dévotion, les jeunes de Palmariggi accomplissent un pèlerinage dans ce lieu. Après la célébration de la Sainte Messe, les participants ont l'habitude de faire un festin sur les splendides olivières qui entourent la chapelle. C'est un extraordinaire moment de fête collective et la chapelle de la Vierge de Constantinople, appelée aussi Vierge du Mont, représente la maison de tout le monde.